Moma Oizayo, parlez biso, donne-nous le message, parlez biso sur les dons du Saint-Esprit, communiquez la parole au nom de Jésus, que nous prions ainsi. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Voilà, au deuxième jour, Nabiso et Mkwalelo, nous allons parler sur les dons des révélations. Les dons des révélations, nous allons parler dans la 4e Mkwalelo, nous allons parler sensible, et nous allons parler comment pour que nous soyons Dieu soit loué. Les dons des révélations. Il y a un autre comme deuxième groupe, il y a des dons spirituels. Dans la matière aussi, les dons spirituels. Alors, les dons d'inspiration, les dons de révélation plutôt, au Tosodobela, les mots révélation, dans la Bible, il y a 14 fois. Révélation à 5 liés. Parce qu'il y a révélation à pluriel, il y a révélation à 5 liés. Révélation à 5 liés, dans la Bible, il y a combien 14 fois. Alors, Tokozoango plus, dans Mukanda Job. Na mukanda Job, pe na mukanda ya proverbe, tokomo na ba kote bele o ba parle sur révélation. Alors, na mukanda proverbe, tobandi wana na proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18, tende tokobanda vraiment na katnesika oyo, landa biso, zala sensible pour comprendre les messages que nous donnons ici. Proverbe chapitre 29, verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, erré s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ce qui révélation est athée, les botans en Zambé, bazan a freinté. Bazan a moutouke tamboula, ils ont un frein. Oyebiso moutouke tamboula, ils ont un frein, ils ont un zela. Danger ni oye koko koze pona batu pe pona yango moko mutuka nzamba comparer peuple oyo bazangi révélation na mutuka oye zangi frein ça dit vina bango eza toujours exposé na ba danger parce que loko moko ko arrêter bango devant danger ezati ça nous montre que la révélation et arrêta kamuto en face à danger la révélation est ça que mutu akutana ba danger te na kata bo moinae. Alors, mon révélation est un mot très important. Et outil dans le sens étymologique, dans le mot mokoto, dans le verbe moko latin, revolo. Revolo, as, are, avi, atum. Ou est la qui si, dévoiler, découvrir, mettre à nu. Dévoiler, découvrir, mettre à nu. Au moment que dans le sens, il y a étymologie, il y a mon révélation. Il a qui si qu'on dévoiler, il a qui si qu'on découvrir, il a qui si qu'on mettre à nu. Dévoiler ça veut dire quoi? Et là comment on va finir quand on voile? Mais à partir il y a don ou à partir il y a révélation, balongo les voiles ou ana, bah tu vas monter là que bon mama qui na katikuna. Découvrir il a qui si nul. Et là comment on va ne qu'on luka, va ne qu'on monte en haut et mais bahé qu'on monte na yango. Ne trouvez pas au état dans sens il y a découvrir. Mettre à nu, il a qui si l'eau comme ça qui habillé, mais balongo liango bilamba, bati kiango polé le nengwana. Oba saliwana ba mettre à nu. Donc, na sens, il y a mon autre révélation, tout le monde a yango et pesibiso trois termes, trois verbes, auto tikoba, na kate nesika oyo. Alors, ce verbe lui-même, formé du préfixe re, qui signifie, ou est-ce en sens, il y a. Et donc, il s'agit seulement d'un mouvement de retour en arrière, c'est-à-dire dans le sens contraire. Au moment où révélation, il y a un mouvement en arrière. Donc, il y a le cas, mais il y a un mouvement en arrière. Il y a un moment où il y a une révélation, et ça, il y a un mouvement en arrière. Il y a un mouvement en arrière. Il y a 2015, et ça, il y a un mouvement en arrière. Vous êtes à côté des États-Unis d'Amérique, à Washington, dans la ville de quelqu'un, au monde à quel hôtel. Donc, et Pessibiso, si quoi, il y a un yakala. C'est le cas. Nous sommes en sens, il y a étymologie, il y a un mot autobé, il y a révélation. Alors, révélation, n'est-ce pas tout le temps, on a un proverbe, tout le temps, il y a 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans la version, il y a parole de vie. Là, c'est bien la version où on a pris et accompagné de son compréhension. La version parole de vie, Eric Obaboué. Quand il n'y a personne, quand il n'y a personne qui prévoit l'avenir,
le peuple vit dans le désordre. Au moins, quand même, verset de qu'est-ce qu'on a sens dans le monde. Quand il y a personne qui prévoit plutôt l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Donc, révélation, il y a un sens, il y a qu'on prévoit l'avenir. Tangou, et ça, moutou, mon côté, à ce qu'on prévoit, ma kabeko sa malobi, alors qu'est-ce qui se passe? Malobi, il y a risque, il y a désordre. Le peuple vit dans le désordre. Il y a un gros bon dans la carte à vie à Batubile, désordre, Zali. C'est-à-dire, moyen à comprendre, bah, combat, les gens dans la carte à vie, bien, parce qu'il n'y a pas de révélation. La révélation est très, très importante dans ma kambo et dans la Zambé. Et le don de révélation, Eza badon, ou Eza koe debiso, to la kisa kenzambe aza omenesian. Il est omenesian, ça veut dire qu'il connaît tout. Le don de révélation montre l'omniscience de Dieu sur la terre. Loba, amen. Et la kisa ka omniscience de Dieu. Et la kisa kenzambe ayebi tout. Et que l'autre bon côté le kila kenzambe. Voilà l'essence ya badon, otobengi le don de révélation. Le lo encore, Zamba ko fungo la batelé la badon de révélation. Et base à ma casse, il y a badon de révélation, ça misou. Les yeux invisibles. Le lo Zamba ça, les yeux invisibles. L'obé ça qui donne d'inspiration et ça qui donne ya koloba. C'est pourquoi les gens ont parlé. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, ils ont interprété. Les dons d'inspiration travaillent à la mounoko et travaillent à la paix, ma respiration. Mais le don de révélation travaillent à la misou. C'est-à-dire, le lot, Dieu va te faire voir des choses que tu as cachées. Au côté de l'atmosphère, tu as dit que tu très bien. Au côté de l'atmosphère, tu as dit que tu as dit que tu as d'autres villes. Comme on a dit que tu as d'autres villes, si tu as dit que tu as à Paris, tu as dit que tu Washington DC, tu as New York, tu as New Delhi, na Inde. Nous avons dit que tu as dit que tu as dit même des loin, même tu as dit que Afrique, même tu as dit que côté as dit. Donc, à partir du don et de la révélation, Dieu va te faire grâce. Mais en tant que prédicateur et enseignant bonne nouvelle, dans l'expérience de la don spirituel, souvent, nous avons dit que 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 nous révélation dit que nous avons que nous avons dit que très important pour nous. Dans le don de révélation, nous avons trois sortes de don de révélation. Nous avons d'abord le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Voyez la première. Donc, na katabadon, il y a révélation. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Et deuxièmement, Ezan Otobengi na Kombo, il y a la parole de sagesse. La parole de sagesse. Nabi d'abord le discernement des esprits. Deuxièmement, la parole de sagesse. Troisièmement, la parole de connaissance. Parole de connaissance. Donc, il y a trois dons. Où est-ce qu'il y a quatre bâtons de révélation? Dans quatre bâtons de révélation, il y a un bâton de vision. Parce que la révélation, c'est aussi la vision. Il y a un bâton qui a un discernement des esprits. Voilà. Il y a un bâton qui a un parole de sagesse. Et ça, il y a parole de connaissance. Dans quatre trois sont abandons, ou ils ont quatre abandons de révélation. Dans le bandit, il y a discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Ces dons se manifestent dès qu'un esprit se manifeste. Ces dons se manifestent dès qu'un esprit se manifeste. Tant que quand mon lit mon moko boye a manifesté, alors don européen a yé a bandi ko manifesté. Alors ce qu'on t'a dit bien, les esprits se manifestent 24 heures sur 24. Yango moni moutou aza ma kasi na don ya discernement des esprits. Et c'est que les misfaits a yako fongwa ma 24 heures sur 24. Il peut voir des choses 24 heures sur 24. Alors par définition, le don et le discernement des esprits, c'est un œil invisible dans le monde des esprits. Et ça lit sous mon corps et fongwa mi moto, na kati ya monde ya esprit. C'est un œil invisible. Et ça lit sous mon corps et mon dans la kate, un œil spirituel, mais lit sous mon fongwa mi pour na kota la, na kati ya monde invisible, na kati ya monde des esprits. Parce qu'il y a le monde des humains, il y a aussi le monde des esprits. Alors, moutazu don. Il y a discernement des esprits
aza capable ya komona les choses qui ont se passé dans le monde des esprits. Dit amen. Azo mona les choses qui ont se passé dans le monde des esprits. Biloko esama na monde ya milimo. Donc c'est une capacité surnaturelle. Tantôt va surnaturel, ça veut dire que ça naturelle. Nzamba ye ko doté batou. Le Saint-Esprit a doté quelqu'un pour mouton na mona ka makambo esama ka na monde des esprits. Le don de discernement des esprits vise seulement des esprits. Ça voit seulement des esprits, ça ne voit que des esprits. Moutazu don nzamba pesie capacité à mon akaka ba esprit. Yemi suna ye zaka ya kofungwa ma pouvoir des esprits. Alors ça don moko kitoko. Discernement et outil na verbe discerner. Discerner la qui se différencier et la qui se distinguer. Donc différencier et la qui se distinguer, dia mon de discerner. Distinguer la qui se ni. Ba tie biloko ebele. Mais ils ont la capacité après parce que loco ils attellent loco loco ils attellent loco. N'ayez pas besoin d'un malade. Dites amen. Donc discerner et la question qu'on distingue, qu'on différencie, ça veut dire quoi? Tant que mutaza dans le discernement des esprits, azon tel dans le monde spirituel, azon mon esprit est belé, mais azon quoi arriver qu'on distingue bango? Où est l'esprit de mort? Où est l'esprit à l'okuta? Où est l'esprit à séduction? Où est l'esprit à Nzambe? Où est l'esprit à Bandou? Azo discerné. Nzamba pesi don yo pour l'église. Eye ba ko discerné ba esprit ni ni oyo e ko ki ko manifester na kat na yango. Amen. Amen. Nazui Jean 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous allons faire la lecture et vous allez comprendre ce que l'écriture déclare. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tous les esprits, mais éprouvez les esprits. Zambé sebe ke esprit bazaka mbele. Zambé be ke esprit bazaka ndenge mbele. Yango lobi n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire que esprit nous se ko agir na kata mokili. Et Seigneur a dit ce ton di makango nyo sauté. Nyo se zambé esprit ya nzambé te. Et Seigneur te éprouvé yango. Toko ko éprouvé yango par la parole. Mais moyen ya makasi yo nzambé pesi biso poto distingue yango bien. Et ça parti ya don. Donc à partir ya don ya discernement des esprits. Na ko ko tala. Na moni ke esprit zo sala. Awa esprit ya nzambé te. Ata mouta zo beta ma prophétie. Boko ya makasi zo kade. Mais na tali yango siko. À partir ya discernement. Nazo comprendre que esprit est au sala awa. Et esprit en zambete. Et esprit tel, esprit tel, esprit tel. Alors, tout ce que le don et discernement des esprits, est un œil, est un lissou. C'est un œil ouvert dans le monde des esprits. Ndemo bando ki basa rappel na œil invisible. O ba tala ka po ba contrôler ba tout bien. Biso penza ba pesi biso ba capacité wana. Il y a qu'on a un œil beaucoup invisible pour contrôler le monde invisible. Amen. Moutaza a donné discernement des esprits. Aza moutaza a contrôlé sphère des esprits. Aza a contrôlé environnement des esprits. Ça veut dire que dès que l'esprit va se manifester, il y a un contrôle. Aza a un monde à Bango. Aza a un distingué Bango. Dans le monde des esprits, tu as d'abord un esprit de Dieu, qui sont des anges principalement. Les anges sont des esprits de Dieu. Tous aussi n'a pas esprit du diable. Où est ça démon? N'a pas ange du diable. Bah on peut pas s'appeler quoi ange Dieu, mais bah ça différent. N'a quand il y a un monde des esprits, tous ça bah esprit de sataniste, bah esprit de sorcier, bah esprit de magicien. Esprit à sorcier zanine. Et ça corps invisible on ne qu'à ça les laka pour à travailler dans le monde des ténèbres. Nous allons amen très bien. Alors, mais esprit wana, auto tangiawa, bako ki bango so kwa ko manifester sika mongo. Il peut venir par exemple, baye bango so ba une décision que te ko manifester a. Et il vient se manifester. Quand il vient se manifester, yango moni zambe atindi bino bo zana don wana. Pourtant, ozo tala, ozo mona ki esprit ozo se manifester siko. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Az esprit moko yamabe, o yaye. Et yango monaka moti akote mabanza baso te azote ya kombina tamo ko bandiko deruté. Et ça ka tango esprit wana ba yaka pona ko manifester.
Bah, il y a un pour pas dérouter pe moté. Mais si vous avez un don de discernement, au commun, on a des esclaves qui ont désorienté moté et qui ont aidé ma casse pour sauver prédicateur, pour sauver prédication et pour sauver l'église de Dieu. Amen. Très bien. Amen. Ces dons fonctionnent parce que Satan et ses collaborateurs se déguisent en ange de lumière. Bible de Bible a changé comme un collaborateur ange de lumière. Le diable a donc changé. A pessi forme mon conduit ange y a lumière. C'est pourquoi tu dis que non aussi quoi est comme important. Natangi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. 2 Corinthiens 11 13. 2 Corinthiens 11 13. Je lis au nom du Seigneur. Ces hommes là sont des faux apôtres, des ouvriers trompés, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Oh, parole du Seigneur. Amen. Balobi Satan Yemoko a changé à calatiforme ange de lumière. Satan bimé la batebele bané ko kwa ki ba moni na seke na mutu. Bané ko kwa ki akwela mukila. Aoza na po ba tumu ndu ne ba présenter kayoana. Ba mona un ange bien sans mukila ba seke te bien. E belé ba sa ba poussa bon pour la collaborer mais c'est un ange de Dieu. C'est un ange de Satan. C'est pourquoi moni ba sans bébé ba devia à partir ya mona ba ange. Ya moni za ba chaki don o esala. Za ba lobi boy. Bah c'est vite il y a Satan, bah change à taper forme, il se déguise, se déguiser là qui si qu'on s'est passé pour une autre personne. Azala kando qui met, à se déguisa. Azaka magicien bah se déguisa. Ma partie y a donc, au quoi bah que mon temps travailler, mon sang nzambe a travaillé, azo travailler dans nzambe te, azo travailler dans puissance monsieur est à contraire, pour ça simané, nous va l'engager très bien. Amen. Et nous va amen à vous comme nous allons. Nous va amen à monter ça à la carte ici. Amen. Est-ce que vous comprenez, madame? Alors, à partir de là, vous avez que le diable, il se cache pour séduire, pour punir, pour salamabé, vous avez découvert. Donc, le don de discernement des esprits, c'est une découverte dans le monde de l'esprit. Le don de discernement des esprits, ils ont été mis sur mettre à nu le monde des esprits. Et ils ont été mis sur dévoiler, sur découvrir. Le monde des esprits, Ndenge Eza, Ndenge Zo travaille. Alors, on comprend dans la Bible que dans le travail qui ming. Par exemple, dans le sol, il y a Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 8 à 10. Voilà. Actes des Apôtres 13, 8 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconciles. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Alléluia. Balobi Saul, oh babengi Paul, a coûté l'immense le magicien, a fixé les gars. Babi Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards. Babi d'abord, rempli du Saint-Esprit. Ensuite, Babi fixa les regards. Et enfin, Balobi alobi. C'est-à-dire le don est avec quand on est rempli du Saint-Esprit. Or, expérience, il y a qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience qui se fait tous les jours. Le baptême du Saint-Esprit se fait seulement une seule fois dans la vie d'une personne. Mais l'expérience, il y a plénitude du Saint-Esprit, doit se faire tous les jours. Moi, dans un fois, nous avons dans la monie tous les jours parce que quand on est dans la monie, il y a un la dimension peut monter, la dimension peut descendre. Amen, très bien. Amen. Alors, le corps est comme Mata, tout comme le corps qui t'a, il y a un moment où il y a 5 dans moi, dans Zambi, il y a une dimension qui tombe dans mon livre. Et nous, il y a ça qui tombe dans mon livre, ma casse.
soka zo mene vie moko zo ki ma loin de péché soka za mingi na présence en zambe a priya ka mingi soka sa mingi ma prière par le Saint-Esprit ma prière de l'Esprit au teke mounobi dja ah au mona moutana ba noza mingi rempli du Saint-Esprit ne toke ndaka ba ngomba ko bonde la kako kye ba forêt ko kye ko ne repanza et toke ndako sa ke to sa ka rempli parce que quand je suis rempli du Saint-Esprit et ça sunga tem na osala et ça kwe ti wana moli mo za la kati nanga de ça ben fait physique la kata bo mwana ngai ya mba bien que Paul rempli du Saint-Esprit le fixa des regards à talier très bien le mwelo ngite mba mo kwa moni ke moto yo asa fils de diable abandi ko lobela yi donc tout monde na kata bible que le don du discernement des esprits intervena ki na on peut sa deuxième exemple ya don du discernement des esprits pour te comprendre madame na kata bible na acte des apôtres chapitre 16 verset 16 à 19 acte des apôtres chapitre 16 verset 16 à 19 acte 16 16 à 19 je lis au nom du Seigneur amen comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de python qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous et se mit à nous suivre Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons une chose, na kati histoire vraie salamaki. Moi si wana zoba makambwa solo. Ma zolo bango l'esprit en zambété. Voilà ce que doit dire mes ou intervenir. Est-ce que vous comprenez mon nuance? Amen. Moi si wana zolo ba. Tamu Paul aleki na ba Silas, na ba ndeko so ba sa nzambe, alobi na bango boyi. Alobi na batu. Bota na batu ba zokende. Ba za ba sala nzambe. Ya nzamba pamba pamba, ya nzamba likolo. Mais on t'a mis ma chose à ma larme. Moi, c'est mon cocité. Abimi, c'est une vraie révélation. Mais esprit. Oui, bon, ma mina, c'est ma révélation. Wana, mes esprits en zambete. Tant que Paul a balou qui a tali dans cima. A moni, moi, si on a bien compris que mon limo est en katé, mon limo en yoka. Yango, mon a katé don du cinéma, tant que manifestaka. O banako, mon a ma sorte de esprit. Et na monde a démonologie, tout est démonologie, de l'autre, tout est en tant que sou. Dans le monde de la démonologie, les démons se présentent dans plusieurs formes. Souvent, les démons, ceux qui sont dans le monde, ils sont dans le monde. C'est pourquoi on dit que les démons se présentent bizarrement. Au monde, ils sont dans mon esprit, mais l'esprit m'a péché du ciment et ça se l'a ma vie. Au monde, l'esprit, l'esprit, si tu vas à la couche, mon esprit, il y a mon couche, il y a mon souci qui est belé, il y a mon souci qui est mon corps. Au moins, ce qu'on a là, même sous son égard, mon goût à pamba, mais on t'a l'air de crier. Il y a un moment où il y a un bateau qui doit être en disant que je suis, sauf qu'il y a un maîtrisé, il y a un bateau. Parce qu'il voit des choses, oyo, et bangi saka. Paul, tu as dit que moi, si on a un discernement de l'esprit, à mon acquis grand serpent, à mon dit que moi, si on a un yoka, il y a un nez la catne, le bananga m'a très bien. À tel y a moni, il y a un moment où il y a un ordre. Na nyoka oya za kata boso bimakende. Alors ce qu'a tala ki apparence adinga ye bati. Mutaza to le disema les esprits atala ka apparence ya mutute. Ma linga ta l'esprit ni nezo ko animer mutu na kati na yeng. Muto ba ta zo poser. Il est animé par quel esprit? Esprit est derrière yé. Moni moni ezo ningi se pour poser ba actuel. Donc c'est du quel don de disema les esprits aza moto zo contrôler sphère des esprits, l'atmosphère des esprits, pour les assurer le terrain, na kate si ko yavan, de l'oba langa mentre lien. A partir de non yo, okoye ba esprit ni ba manifesta ka na famille na binou. Nanda po si ko la laka. C'est pourquoi ba te bete on sa ba fungo la ka, ba mon misu yadou en discernement, a ko même ko ki mesi ka la laka. Nga bu kon sa ba fungo la nga dou en discernement, nda ku, kote voto na zayi la kala. Na mona makamo terrible. Dans mon esprit, mon corps géant, dans mon corps, je suis un gambé. Esprit, je suis un gangue, je et Dieu a fait une grâce, je suis senti même les odeurs, il y a des démons. Et c'est dans ce jour-là. Ce jour-là, je suis un peu unité. Je suis un peu de l'amour.
parce que les dons, les adomo, les compliqués. Les adomo, les secs la macassi pour résister. Parce que Dieu te montrera des esprits. Ben, esprit, c'est ça bizarre. Surtout, les démons. Il y a des démons, c'est banane. Ça dit, c'est mi-kousse, pendant, ah ouais, mi-kousse. Au moins, les démons, les awana, ils ont mangé ça. Mais ils ont monde, ils ont distingué. Ils ont eu, ben, qu'on s'en différence, à cause, il y a capacité surnaturelle. Oh Zambé Ache Nakatabo Mouna. Amen. Amen. Ces dons se manifestent principalement par la vision. Et manifestent principalement la vision. Vision de l'Obanin. Misunangawe et Bandi Komona Makamo Misobaningezo Monate. C'est ça la vision. Nous avons la vision fermée et la vision ouverte. C'est-à-dire, Zamba Batumsuba Monaka a ôté la mise au fond de son monde. Et Abamsuba Monaka Kangi Misobani Komona. Ouais, quand ils misent, ils ont vision fermée. Ouais, fumbo les misent, ils ont une vision ouverte. À autant l'Amazon monte des choses. Et donc, ils ont donné qui toco. Ils ont donné quoi pour permettre nayo, au comprendre et au combattre les bons combats. Nakatabo mona, nous allons amen très bien. Et nous allons amen très très bien. Nous allons amen très très bien. J'ai quoi de notion. Il y a vision ouverte, vision fermée. Et ça, c'est la vision sur les cinq ministères. Est-ce qu'on a parlé sur les ministères prophétiques?